Elle est belle ta Fiat 500 bleu, girly. Donc on va là-bas au fond là. Il y a un phare encore, si, quelque part. On est où là? Faut que t'expliques. Il est là. Non mais... Bref, on est à un phare tout en haut de la côte. Voilà, on est remonté. C'est le phare de... J'ai oublié encore. Punta Cani, Cati, Nati, Punta Nati. Ah voilà, oui c'est ça. Ça y est, on est enfin sur le bord de côte qu'on voit derrière nous. C'est très joli. Donc là, vous voyez pas, mais on est là-dessus. On va vous le montrer d'en bas parce que là, on voit pas très bien quoi ça ressemble. Voilà, on est assez haut. Je vais rejoindre Jérémy qui est en train de partir. Ouf, il y a le soleil un petit peu plus loin là. Et voilà, bah c'était juste pour lui dire un petit message, pour lui dire que c'est trop cool d'être avec lui, d'être avec lui en vacances. Voilà, c'est trop cool d'être avec toi en vacances, mon amour. Et voilà, je te rejoins tout de suite parce que je t'aime très fort. Loin sur la côte nord, ça s'appelle Cala Morel. Donc ça a l'air d'être un joli petit village avec un petit port, ouais, un petit port, piscine naturelle, piscina natural de Cala Morel. Bon bah voilà, on est à Cala Morel, c'est ici. On va essayer de descendre derrière, puis bah c'est parti. Et Donia veut pas sortir, il fait chaud et elle est toujours dans la voiture. Voilà. À la nécropole, ça date de la préhistoire à Minorque et il y a une petite carte là-bas où il y a plein de petits points d'intérêt liés justement à cette période.